Mesdames, Messieurs, Madame la doyenne, Madame la vice-présidente de Montpellier Métropole, Monsieur le Président, chers collègues, chers et chers collègues, chers amis, chers étudiants et doctorants, je salue Monsieur le Président honoraire de l'Université Montpellier 2 également, Mesdames et Messieurs, à vos titres, fonctions et qualités. Voilà, c'est la formule la plus adéquate pour n'oublier personne. Très heureux à ma qualité de, de président de l'université de... Dire un mot d'ouverture dans cette cérémonie de doctorat honoris causa, décernant le titre docteur honoris causa de l'université au professeur Bouyembe, dans le sens où euh, ces cérémonies de, de doctorat honoris causa se veulent tout à la fois solennelles et conviviales. Solennelles, dans le sens où euh, les attributions, les cérémonies ne sont pas légion dans nos établissements, pas plus de quatre par an, mais également, et eh bien, ont un objet, un objet singulier depuis le XVIIe siècle, où on retrouve des collègues honorés par de telles cérémonies. Et je reviendrai sur la signification de ce titre, mais cela doit être fait dans un cadre, dans une cérémonie prestigieuse, solennelle. Et quoi de mieux pour vous honorer, chers collègues, que cet amphithéâtre à atomie de la faculté de médecine. Dans le même temps, ces cérémonies doivent être conviviales convivial et au-delà de ce moment protocolaire, eh c'est le moment de pouvoir échanger entre différentes communautés scientifiques, entre différents chercheurs, pour évoquer aussi de nouvelles perspectives pouvant s'offrir à nous, entre disciplines, entre établissements, entre États. Vous permettrez de dire que ces titres de docteur honoris causa, même s'ils sont assez anciens, ils sont peu fréquents, eh bien, tendent à reconnaître des collègues pour les services rendus aux arts, aux lettres ou aux sciences. C'est la formule initiale. Mais également, donc, il euh, à valoriser des relations, des relations existantes entre des États, entre des établissements d'enseignement supérieur ou également entre des collègues. Et finalement, quoi de plus naturel, cher docteur Mouyembe, que... Vous attribuez le titre docteur honoris causa de l'université de Montpellier dans cette faculté de médecine, avec comme parrain notre collègue, le professeur Delaporte. Et ceci en raison de, de votre parcours. Même si euh, il, ne revient, il ne me revient pas en tant que président de université de faire votre éloge. Ce sera le professeur de la Porte qui le fera, on me permettrait quand même d'évoquer que ce caractère très naturel eh bien, se justifie de par votre parcours, par la force scientifique également du site montpellier en lien avec vos domaines de spécialité, et également se justifie par les relations interpersonnelles que vous avez pu développer. En effet, vous êtes médecin, professeur de virologie de l'Université de Kinshasa, directeur de l'INRB, le centre de recherche dont vous avez fait de lui une référence internationale sur les maladies infectieuses émergentes. Et vous avez un parcours scientifique exceptionnel qui finalement est intimement associé à toutes les grandes avancées concernant le virus Ebola depuis sa découverte, puisque vous êtes le co-découvreur à la mise en place des techniques biologiques, diagnostiques innovantes, à l'évaluation du vaccin, à l'évaluation de traitements. Et vous êtes également, chers collègues, un expert en santé publique qui a été en charge de la riposte à l'épidémie d'Ebola la plus importante qui vient de se terminer au Nord-Kivu. Alors, quand le professeur de la Porte fera votre éloge, on peut, il le dira sûrement, évoquer que votre réputation s'est traduite par de nombreux titres de reconnaissance. Bien sûr, je ne vais pas tous les évoquer. Je citerai le prix lieu en 2015. Je citerai également le fait que le journal Nature vous est qualifié parmi les dix personnalités qui ont le plus compté en sciences en 2018-2019, montrant par là même l'importance de vos travaux. Et finalement, votre personne... Vous êtes quelqu'un d'extrêmement sollicité, extrêmement sollicité de par vos travaux, de par votre notoriété. Mais pour autant, vous êtes resté infidèle au partenariat qui a été développé avec l'unité de recherche Transveï Chemie et l'Université de Montpellier. Et nombre de vos élèves ont été confiés, confiés à l'université, à sa faculté, à ceux de recherche et sont maintenant en poste à responsabilité. Ce parcours témoigne finalement le fait qu'il est naturel que vous soyez honoré aujourd'hui ici, dans cette ville, dans cette ville synonyme de la santé, de la médecine. Madame Le Doyen aura l'occasion d'y revenir. J'aurais coutume de dire, j'ai coutume de dire 802 ans d'histoire nous observe. C'est facile parce que c'est à partir de 1220. Dans les prochaines, je dirais 803 ans, mais cela montre bien donc qu'il y a une permanence, il y a une permanence à faire en sorte que Montpellier soit une place forte donc, de la santé et de la médecine et ce n'est pas la vice-présidente de la métropole qui me contredira là-dessus. Alors aujourd'hui, nous allons vous attribuer, chers collègues, le titre docteur honoris causa qui fait que vous allez être un docteur de l'université, mais également un ambassadeur de l'université. Un titre, une référence de plus pour vous, qui ne les recherchez pas spécialement, mais pour autant, pour nous, c'est un honneur, un honneur de, nous, de vous compter parmi nos rangs à l'issue de cette cérémonie. Donc un grand merci, chers collègues, d'avoir accepté. Cette cérémonie qu'elle se tient aujourd'hui, d'avoir ciblé le titre que nous souhaitions donc vous accorder. Un grand merci aussi au professeur Delaporte d'avoir proposé votre nom, soutenu par la faculté de médecine, parce que je pense qu'en ayant des docteurs honoris causa comme vous, eh bien, cela nous honore et cela renforce aussi la notoriété de votre établissement. Donc, au nom de l'institution universitaire que je représente, un grand merci. Alors, merci beaucoup. Donc, monsieur le président de l'université, cher Philippe, monsieur le professeur bouyombé euh, madame Claire Hart, vice-présidente de la métropole, monsieur Alain Mérieux, chers collègues, cher Éric Delaporte, Messieurs les représentants de l'Université de la République de Kinshasa du Congo, dont un doyen honoraire, mesdames, messieurs, merci d'être là. Alors je suis extrêmement honorée d'être ici ce jour pour vous accueillir, monsieur. Je suis très heureuse. Vous êtes, comme l'a dit mon président, vous êtes médecin, vous êtes professeur de virologie. Vous êtes pour moi l'exemple même de ce que doit incarner un enseignant-chercheur de médecine. Vous avez une carrière scientifique exceptionnelle, ça a déjà été dit, ça sera redit par le professeur Delaporte, je ne vais pas m'attarder sur ce sujet. Vous vous êtes particulièrement distingué à travers vos travaux de virologie sur le virus Ebola, qui vous a mené, comme l'a dit le professeur Roger, euh, au poste de directeur général de l'Institut national de recherche biomédicale de la République démocratique du Congo. Mais à côté de cette carrière scientifique exceptionnelle, vous avez mené également une carrière de pédagogue et d'enseignants de très haut niveau. Vous avez commencé, comme tous les enseignants chercheurs d'une faculté de médecine, vous avez commencé comme responsable de l'enseignement de microbiologie après avoir été un enseignant. Vous avez eu, je l'ai appris, un rôle majeur dans la formation médicale et en parallèle dans la gestion de laboratoires d'analyse pour la santé publique. Donc ça, ça illustre le côté très lié à la santé publique, c'est-à-dire aux soins. Vous avez mis en place dans plusieurs centres de recherche, y compris un laboratoire de recherche sur d'autres virus comme la poliomyélite et la grippe. Vous vous êtes particulièrement investi dans la transmission du savoir, la formation des nouvelles générations de scientifiques, des médecins congolais. Et à travers ces partenariats internationaux, ça a été soulevé par Philippe Auger. Vous avez tissé des liens, des liens avec Montpellier. On en est extrêmement fier. Un certain nombre de vos élèves ont été formés ici. Et il y a pas mal de formations en co-tutelle de niveau de doctorat qui continuent à être en œuvre actuellement. Et j'ai pu saluer tout à l'heure deux de vos anciens élèves qui sont maintenant professeurs dans votre pays. Et tout ce parcours pédagogique remarquable vous a mené en 1978 à un premier poste de doyen de l'école médicale universitaire de Kinshasa. Et vous avez fait deux mandats de doyen, ce qui souligne la qualité de ce que vous représentiez et euh, l'excellence de votre parcours. Alors, la cérémonie d'aujourd'hui est très particulière. Euh, une cérémonie d'honoris causa, comme l'a dit euh, le président Auger, c'est quelque chose de rare, c'est quelque chose de précieux et c'est quelque chose d'exceptionnel. Et je ne peux pas ne pas rappeler ce qui s'est passé en 2021 où nous avons eu le bonheur. Je n'étais pas doyenne encore à l'époque, mais j'étais dans la salle d'accueillir un de vos collègues, le professeur Denis Mukwege, qui, euh, pendant le sommet Afrique-France de 2021, euh, nous a fait l'honneur. De venir à Montpellier. Nous lui avons euh, remis également un, une, une, un titre de docteur honoris causa au titre de son métier de gynécologue, de ce qu'il a fait pour euh, la défense et au service des femmes mutilées à la période des guerres au Congo, euh, qui était un personnage pour moi incroyable. Le jour où j'ai écouté parler euh, ce médecin, ce professeur de grand homme, j'ai été extrêmement touchée par ce qu'il nous a présenté et ce qui m'a particulièrement ému dans les suites c'est que cette distinction que nous lui avons donnée a permis de formaliser une coopération effective entre nos deux pays donc une de plus qui s'est traduite par une convention qui s'est signée avec l'hôpital de panzy entre les deux CHU de montpellier bien sûr l'hôpital de panzy et l'université de montpellier qui a débouché sur des choses concrètes à savoir des échanges de chercheurs et de médecins entre nos deux pays donc pour terminer, toujours dans ce cadre-là, je souhaiterais vous, vous exprimer à quel point cette cérémonie aujourd'hui remet, revêt une dimension toute particulière à mes yeux. La première chose, c'est que je considère qu'à travers ce que vous êtes, ce que je connais de vous, pour l'instant pas grand-chose, mais je pense que je vais en apprendre encore plus, euh, fait que je considère que c'est un privilège de vous accueillir et de vous remettre ce titre pour honorer une carrière que je qualifie d'exceptionnelle de chercheur, de médecin et d'enseignant. La deuxième raison, que, et je souhaite en parler, c'est que les travaux scientifiques que vous avez menés durant votre carrière et dans le sujet euh, sont, portent sur un sujet qui est particulièrement important au jour d'aujourd'hui, puisque vous avez travaillé sur une épidémie majeure, une épidémie qui résonne avec ce que nous traversons depuis quelques années au niveau mondial, une épidémie qui, en France, comme à l'international, a mis à l'épreuve notre communauté scientifique, une épidémie qui a ébranlé et mis en danger nos sociétés modernes, et ce n'est pas terminé, qui a emporté des centaines de milliers de vies en France comme ailleurs. Et qui a brisé les rêves d'une partie de notre jeunesse. Donc, à cet égard, vous êtes extrêmement important également. Et puis, je voulais terminer en vous disant que votre venue aujourd'hui fait partie des petites pierres, des grosses pierres même, qui scellent quelque part le destin commun entre nos deux pays et l'importance de ces liens scientifiques et médicaux qui transcendent les enjeux politiques des relations internationales. Donc, ils ont beaucoup d'importance à mes yeux. Donc, je vous remercie de venir éclairer notre belle faculté de votre présence et de votre savoir. Et je voulais juste vous dire que vous êtes ici chez vous. Merci beaucoup Isabelle. Monsieur le secrétaire général du ministère de la Santé de Kinshasa, merci d'être là. Monsieur le président de l'université, Madame la doyenne, chers amis, monsieur le directeur de l'ANRS, monsieur le directeur du... Euh, département santé de l'IRD. Euh, vraiment, euh, quand on voit tout, tout le monde qui est venu de, de partout, on voit à quel point euh, Jean-Jacques a, a une aura euh, extraordinaire. Alors, il m'échoit la difficile euh, épreuve de faire l'éloge euh, de, de Jean-Jacques. Alors, c'est difficile, chercheur, enseignant, homme politique, faut le dire <laughs> Bon, on va commencer simple. En fait, rien ne prédisposait Jean-Jacques à, de, à devenir ce qu'il est devenu, donc une, une renommée internationale. Vous êtes né au Bandoudou et euh, vous avez été formé par les jésuites. Et vous aimez le répéter, à quel point ça, ça vous a structuré. Vous étiez un des premiers étudiants en médecine, des nouvelles facultés de médecine, à Lovanium, pour être très précis. Je pense qu'on vous a repéré d'emblée, puisque vous avez fait votre thèse, comme on dit en flamand agrégatie à l'Université catholique de Louvain. Vous avez acquis à ce moment-là de solides compétences en virologie et en flamand, parce que Jean-Jacques Mouyambe parle un petit peu flamand, je vois qu'il y a Dirk qui est flamand également, qui sait que Jean-Jacques a aussi ces cette, cette notions à son arc. Après... À votre retour, et c'est ça qui est extraordinaire, vous auriez pu d'emblée partir des organismes internationaux, gagner très, très bien votre vie. Non, vous êtes rentré au pays et vous êtes investi d'emblée sur les épidémies euh, confronté aux au, au programmes et aux problèmes de santé publique qu'on connaît tous. Le tournant, bien sûr, c'est cette épidémie de, de fièvre hémorragique à Yamboukou, à côté de la rivière Ebola. Je pense que vous allez le raconter beaucoup mieux que moi. Et ça a été un tournant puisque vous, avez, vous êtes parti. Je voudrais simplement insister sur le côté humain. Vous êtes parti à une époque où on ne savait rien sur la fièvre hémorragique, et vous êtes parti investiguer avec une équipe internationale, et on peut le dire, au risque de votre vie. Et d'ailleurs, quand on regarde sur Wikipédia, euh, il y a sans doute une fake news, puisqu'il est marqué que vous avez été contaminé par le virus Ebola et que vous êtes survivant. Vous allez nous dire si c'est une fake news ou pas. Mais euh, pour revenir sérieux, vous avez participé à la co-découverte de, de ce virus Ebola. Progressivement sur virus Ebola, bien sûr. À l'époque, c'était des petites épidémies localisées qui touchaient un nombre limité de personnes. Et puis, il y a eu kitwit et puis il y a eu le drame des ces dernières années. Et on voit à quel point vous êtes investi de façon permanente et de façon globale. Ce que veut dire ce terme, c'est ça veut dire cette approche vraiment depuis la riposte au niveau international, mais également la recherche fondamentale. Je ne vais pas insister trop sur Ebola, mais ça a été dit par le président de l'université, l'élément déterminant, ce sont les dernières épidémies, parce que vous avez su théoriser toutes les nouvelles avancées. Euh, comme ça a été dit également, on a eu la chance de, de recevoir Placide, ou Placide Placide, qui est là, euh, ben là au moment de l'épidémie euh, à l'Équateur en 2018. Dans le labo, avec Aijo et Martine, euh, se mettaient au point ces nouvelles techniques de séquençage NGS, euh, qui permettaient avec une, un séquenceur d'une taille d'un... Une, une clé UBS, d'avoir tout de suite les séquences. Et je me souviens, encore une fois, en 2018, Placide est parti tout de suite, a fait le diagnostic sur place, et en quelques jours, on savait que c'était Ebola. Donc c'était très important de pouvoir le définir, que c'était Ebola-Zahir, et de définir tout de suite les programmes de, de, de santé publique. Et ensuite, ça a été développé de façon extraordinaire dans, dans les, les, euh, les épidémies futures. Ensuite, il y a cette épidémie d'Afrique de, de l'Est, Ituri, It It euh, Nord-Kivu, qui a été la plus dramatique que le Congo ait connue. Et alors là, je pense qu'encore une chose, j'ai pas rentré dans les détails, mais ça a été tout à fait extraordinaire, puisque les avancées qu'on a aujourd'hui sont sur la prévention. Vous avez été le premier à évaluer ce vaccin, euh, vaccin à la fois préventif vis-à-vis des soignants, vis-à-vis -vis des contacts. Au niveau du diagnostic, le séquençage pour le contact tracing, c'est devenu une routine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore Le traitement, c'est fondamental. Pouvoir faire une étude randomisée de quatre bras en zone de guerre. En période épidémique et réussir à montrer que parmi les quatre bras, il y en avait deux qui montraient une efficacité, dont un, un anticorps monoclonal qui a été mis au point grâce à l'INRB en partenariat avec le NIH. C'est assez extraordinaire. C'est le mab114 commercialisé sous le nom de Banga. Donc là aussi une avancée majeure parce qu'après cette épidémie, on a un traitement qui était. C'est assez extraordinaire. Et à côté de ça, vous êtes l'homme de politique scientifique, puisque vous étiez l'homme de la riposte nationale. Donc, arriver à associer une recherche de pointe, faire venir les partenaires. Je vois que M. Alain Mérieux fait l'honneur d'être ici, vous montre à quel point vous avez été présent avec le laboratoire Mérieux qui a été installé à, à, à Goma. On voit à quel point vous avez su, par votre aura, attirer les, 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 les personnalités les plus importantes pour soutenir le Congo et accompagner cette riposte à l'épidémie de mort. Vous allez le, le présenter en détail, donc je ne vais pas rentrer dans tous ces détails. Je voudrais dire que Jean-Jacques Mouyamé n'est pas seulement l'homme d'Ebola, c'est également l'homme sur d'autres infections, puisqu'on s'est connu à l'époque du VIH. Et à l'époque du VIH, c'était dans les années 2000, il y avait deux aspects sur lesquels vous avez été fondamental. L'origine du virus, l'origine de l'épidémie. Origine du virus, virus est-ce que le virus venait euh, de quel... Espèces de grands singes. On travaillait déjà avec les collègues du Cameroun et, euh, au niveau des, des chimpanzés. Des... Ce que vous avez fait, c'est que vous avez étudié les bonobos, vous avez étudié la sous-espèce de chimpanzés qui circulait au Congo, les swanfortis, et ça, c'est le travail de thèse de Steve Aouka euh, Mundenke avec vous. Et vous avez pu montrer qu'effectivement, ces animaux étaient infectés par des rétrovirus très proches de celui de l'homme, mais ce n'était pas celui de l'homme. Donc, participer au démembrement du complexe rétroviral, évaluer le risque d'émergence, faire. Le one else avant tout le monde. Et ça, c'est également important. Un deuxième aspect qui est très important, c'était l'origine de l'épidémie. La diversification du virus s'est faite à partir de Kinshasa et montrer que finalement le point de départ de l'épidémie, c'était Kinshasa. Et à côté de ça, ensuite se dire mais attendez, l'épidémie en Occident, c'est 80. L'épidémie africaine, elle a été repérée simplement en 1983 donc, au niveau international. Et en fait, vous avez vu, réussi à montrer de façon très précise, avec Dirk, qui nous fait l'honneur d'être là, qu'il était d'avoir su dater exactement que le, la présence du virus dans les, les années 50-60. Comment ça s'est fait Ça s'est fait parce qu'il y avait un travail d'anapate tout à fait extraordinaire à l'époque, avec des registres parfaits, des blocs de paraffine, et vous avez cher cherché avec Dirk. Euh, des, des personnes qui étaient décédées de, de, de maladies évoquant le SIDA, le Kaposi, la slimizé, etc. Chercher les, les blocs de paraffine, faire de l'amplification dans ces blocs de paraffine et définir que dans les années 50-60, il y avait des gens à Kinshasa qui sont morts du SIDA, ce qui était vraiment une avancée très importante. Donc pour dire que la recherche de Jean-Jacques ne se limite pas loin s'en faux à Ebola, mais également sur le VIH mais également sur la fièvre jaune, mais également sur la polio. On ne va pas tous les passer en revue. Je dois insister quand même sur votre investissement plus récent sur le, le Covid et le Sars-Cov, parce que là encore, l'expertise de votre riposte développée à travers Ebola vous a placé sur un premier rang politique en, en tant que coordinateur de la riposte nationale. Organiser cette riposte nationale prendre tous les coups, bien sûr, liés à un homme politique qui, euh, qui est en première ligne, mais également au niveau de l'INRB, développer des techniques de séquençage de routine. À un, niveau, à un jour, à une époque où en France, à un moment, on se, on se posait la question, mais où est-ce qu'on va faire nos, nos séquençages d'épidémiologie moléculaire pour faire le contact tracing, quelle est la nature des souches Ça se faisait en routine à Kinshasa, il faut dire les choses comme elles sont. Non, je ne suis pas polémique, mais c'est vrai. Et donc, l'acquis que vous avez dans la riposte aux épidémies était tout à fait est exceptionnel. Et puis aujourd'hui, c'est le monkeypox. Le monkeypox est une maladie endémique en RDC. Il y a eu l'écart en Occident, un intérêt majeur. La NRS qui a lancé un appel d'offres auquel vous avez répondu. Et c'est vrai, des enjeux aussi. Et le seul pays où aujourd'hui, il y a un essai clinique vis-à-vis -vis du monkeypox, c'est de nouveau la RDC, c'est de nouveau Kinshasa, c'est de nouveau l'INRB. Donc ça vous dit, ça vous illustre à quel point que c'est quelqu'un qui n'est pas resté sur un acquis, mais qui est toujours sur la brèche, qui ne s'arrête pas. Et qui, Madame Mugabe est là, il ne s'arrêtera sans doute jamais, tellement il a envie euh, d'avancer. À côté de ça, donc ça c'est l'œuvre scientifique que j'ai résumée plus ou moins bien. À côté de ça, il y a le bâtisseur, c'est-à-dire que quand vous êtes rentré au pays, il n'y a pas de centre de recherche. Vous aviez ce rêve d'un institut pasteur, d'un centre de biologie. Et puis, ça a avancé avec d'autres collègues, etc. Ça a abouti à la création de l'INRB en 1984, dans le cadre d'une collaboration franco-congolaise. Ça a été inauguré par le président Mitterrand, il ne faut pas l'oublier. Et puis, après toutes les vicissitudes politiques que vous avez euh, subies, malgré cela, vous avez tenu. Vous avez tenu, l'INRB a tenu, l'INRB a continué, même si on était toujours surpris avec Martine de voir que même sans salaire, les gens travaillaient. Et vous n'avez pas perdu les acquis, et ça c'est encore une fois quelque chose de tout à fait extraordinaire. L'INRB aujourd'hui, c'est une pépite, c'est un centre internationalement reconnu, grâce aux coopérations internationales que vous avez su mobiliser, c'est une force, mais tout, et tout en les contrôlant. Vous avez créé un laboratoire secondaire à Goma. Grâce à l'aide de, 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 de la Fondation Mérieux, vous avez su effectivement être incontournable au niveau international. Et c'est vrai que c'est pour nous euh, une chance de vous avoir ici parce que vous représentez énormément sur le plan international et sur le plan de la recherche. À côté de ça, je ne vais pas être trop long parce que je pense que ça va être beaucoup plus intéressant votre exposé sur Ebola. J'aurais insisté sur euh, le partenariat qui a, qui a été mis en place ici à Montpellier, euh, à travers le laboratoire mixte international et, et l'IRD, et puis euh, en devenir à travers euh, cette plateforme de recherche internationale en santé globale qui va être mise en place à travers euh, la NRS, l'INSERM, l'Université de Montpellier, l'IRD, l'INRB, le ministère de la Santé, l'Université de Kinshasa, qui, pour une coordination, et dire, une, une augmentation de ce partenariat. Ce qui nous a également extraordinairement touchés, c'est votre sens du savoir. Ça a été dit par notre doyenne, trans, cette transmission du savoir euh, à travers la formation. Et vous nous avez fait l'amitié de, de nous proposer, euh, vos parmi vos meilleurs élèves, ils sont. Pas tout cela, il y a énormément de très très bons élèves, mais on a eu la chance de, de, de co-diriger Martine, la, co la thèse de Steve Aouka sur le VIH. Placide également, il y a 2-3 ans, Placide. Il y a Antoine qui va soutenir dans une semaine. Et puis il y a Eddie qui va soutenir maintenant dans deux ans. Donc un continuum de, de compagnonnage, je dirais, euh, tout à fait... Euh, Agréable et euh, sympathique. Je terminerai sur l'homme, euh, bien sûr. Euh, pour ceux qui connaissent Jean-Jacques, c'est un homme euh, exquis, avec un sens de l'humour et un deuxième degré tout à fait extraordinaire, qui fait que passer un moment avec Jean-Jacques, en plus de la science, c'est un moment vraiment délicieux. Donc, pour tout ça, je voulais remercier Jean-Jacques de l'amitié qu'il nous fait, qu'il fait à Montpellier, qu'il fait à nos équipes. Et nous sommes vraiment très contents qu'il soit ici. Écoutez, j'aime vraiment entendre l'écho de Tam Tam quand j'étais enfant et j'adore l'écho du violoncelle. Ça me rappelle les années du collège. Merci beaucoup. Voilà. Alors, monsieur le Président, Madame la Doyenne, Monsieur le Secrétaire général au ministère de la Santé publique, hygiène et prévention de la République démocratique du Congo, cher Monsieur le Président Alain Mérieux, euh, mon ami professeur Yazdan, et chers invités, distingués invités, à vos titres et grades respectifs, tout protocole respecté. Je vous remercie de votre présence. Les titres du docteur Honoris Causa, d'une vieille, d'une de la plus ancienne université de l'Europe, accordé à l'un des plus vieux professeurs d'université de la République démocratique du Congo. Ce titre me va vraiment droit au cœur et malgré mon âge, l'émotion m'habite et je vais essayer, malgré cette émotion, de vous parler de mon expérience avec une maladie inconnue qui a fait des victimes. Dans mon pays. Et nous pensions que cette maladie allait simplement se limiter au Congo, localiser seulement au Congo. Mais au fil des années, nous nous sommes rendus compte que cette maladie pouvait devenir un problème de santé publique de portée internationale. C'est pour cela que nous disons qu'il faut partager cette expérience avec d'autres pays, avec d'autres continents. Et grâce à la coopération internationale, lutter contre des épidémies devient, si on peut le dire, notre façon de vivre. Collaborer, coopérer, créer des réseaux, c'est vraiment ça que nous devons faire parce que les épidémies ou les pandémies actuelles nous préparent pour les pandémies futures. Et là, nous devons absolument nous préparer sérieusement. Alors, euh, la première diapositive, euh, c'est la... la nous, nous, allons, bon, nous allons parler de la découverte du virus Ebola, de la lutte et au contrôle de cette épidémie, comme nous l'avons vécu, euh, n'est-ce pas, en RDC. Euh, donc, c'était... Euh, Années 1976, et le professeur Longuet était le ministre de la Santé, on l'appelait commissaire d'État à la Santé, euh, sous le roulette du mouvement populaire de la Révolution, qui était le parti unique. Et si vous avez reçu un ordre de ce parti unique, il faut l'exécuter. C'est comme ça que je suis parti. À, à la mission catholique de Yamboukou. Et euh, là, donc, c'est une mission qui, qui, qui possédait un hôpital euh, géré par des religieuses belges. Et en septembre 1976, au début de septembre, la mission et les villages environnants étaient frappés par une maladie mystérieuse et très meurtrière. Le 21 septembre, les ministres de la Santé étaient alertés et euh, ils parlaient d'une épidémie de fièvre typhoïde ou de fièvre jaune. Et alors, euh, au, 22, euh, au 22 septembre, il y avait 30 personnes infectées, dont 22 décès. Voilà, un taux de mortalité très élevé, ça on n'avait jamais vu auparavant. Et quatre personnes avaient fui l'hôpital parce que l'hôpital était considéré comme le lieu où on attrapait la maladie. Et chose plus, euh, plus importante encore, si on, on dit même les religieuses belges étaient victimes, ça montre aussi la gravité, n'est-ce pas, de cette maladie. Et la maladie ne répondait ni aux antipaludéens, ni aux antibiotiques à large spectre. Et le 23 septembre, donc je suis envoyé là-bas en tant que euh, enfin, microbiologiste et avec euh, un médecin militaire qui est épidémiologiste pour investiguer sur oh, cette maladie meurtrière. Et l'équipe internationale euh, va arriver euh, vers le mois de d'octobre, euh, hein, composée des experts de l'OMS, de l'Institut Pasteur de Paris, du CDC Atlanta, de l'IMT Anvers, et les experts également de l'Afrique du Sud. Suivant. Suivant. Alors, maintenant, il fallait... Euh, donc, nous sommes partis pour, en fait, euh, donner une étiquette, n'est-ce pas, à cette maladie. Alors, nous arrivons donc dans cette mission le 24 septembre. C'était le 23 septembre la nuit. Donc, le lendemain matin, euh, les patients ont appris, la population a appris qu'il y a une équipe qui est venue de Kinshasa avec des médicaments. Et tous les patients qui avaient fui l'hôpital commençaient à venir n'est-ce pas à revenir, n'est-ce pas à, à l'hôpital pour recevoir les soins? j'ai eu donc oh, le privilège, si je peux le dire ainsi, d'examiner certains de ces malades qui se plaignaient surtout de fatigue, de fièvre, de céphalée. Hum? c'est comme si c'était un cas de fièvre typhoïde grave. alors, j'ai fait des prélèvements de sang en tant que microbiologiste pour dire que bon, nous allons rechercher la fièvre typhoïde en faisant le prélèvement de sang pour faire le test de guidal et le prélèvement de sang également pour faire euh, l'hémoculture. Mais ce que je remarque, c'est que quand j'enlève l'aiguille, le point d'injection continue à saigner. Ça, bon, mes souvenirs très lointains euh, de l'école de médecine, bon, c'était vraiment des événements rares. Donc, je me suis dit, il y a quelque chose de, de particulier à cette maladie. Et mes doigts étaient donc euh, souillés de sang. Hmm? Bon, bah, par réflexe, je demandais du, du, de l'eau, du savon pour euh, laver les mains. Si je n'avais pas fait ça, je crois que je ne serais pas aujourd'hui euh, lauréat du de, de docteur honoris causa à cette université. Donc, et, euh, donc le matin, on nous dit aussi qu'il y a trois infirmiers qui sont décédés la nuit donc de notre arrivée. Et euh, pour nous, c'était également une occasion de faire des prélèvements euh, du foie pour oh, l'examen anatomopathologique, rechercher donc oh, la fièvre jaune. Mais euh, quand nous avons vu qu'il y avait beaucoup de malades qui venaient, et également il y a une religieuse euh, qui présentait la fièvre, commençait à se présenter la fièvre, nous avons donc oh, euh, écourté notre séjour et nous avons dit on répare, on va évacuer. Euh, la sœur malade et répartir avec nos échantillons à l'université pour faire des analyses. C'est ainsi que nous sommes répartis avec cette religieuse et euh, une autre religieuse qui l'avait accompagn accompagnée. Et quand nous arrivons à l'aéroport d'Enjili, euh, la sœur malade et sa consoeur prennent donc un taxi hein, pour euh, le centre-ville aller donc euh, aux cliniques Ngaléma. Alors, alors le, 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 le 25 septembre, nous analysons des échantillons au laboratoire de microbiologie de l'université de Kinshasa. C'était un laboratoire simple, avec des paillasses en bois recouvertes de formica. L'eau courante était intermittente et nous utilisions la, la verrerie pour des pipettes de seringues. Et à cette époque-là, les pipettages par la bouche était les règles. Voilà. Donc, tous les, tous les facteurs de risque étaient là. Alors, nous avons analysé euh, ces, les ces différents échantillons pour les tests de Widal, mais les résultats n'étaient pas vraiment, euh, ne donnaient pas une conclusion nette. Hein? Et les cinq hémocultures que nous avons faites sont restées euh, négatives. Donc, nous avons plus ou moins mis de côté l'hypothèse de la fièvre typhoïde. Alors, les analyses euh, de, au laboratoire d'anatomie pathologique... On donné également des résultats qui n'étaient pas vraiment conclusifs. Hein, et parce que le premier échantillon, on dit que euh, euh, aspect histopathologique compatible avec la fièvre jaune. Mais les deux autres échantillons, c'est plutôt aspect histologique compatible avec la conjection euh, hépatique. Donc, nous avons dit alors, ce n'est ni fièvre jaune ni fièvre typhoïde. Alors, euh, nous étions limités, il fallait donc envoyer ces échantillons. Diapositive suivante. À l'IMT inverse, inverse, Donc euh, vous, voilà. Donc, euh, euh, mais en traitant le, les nouvelles que, qui arrivaient, c'était vraiment euh, effrayantes, parce que la sœur transférée et traitée sans succès avec des antibiotiques et des antimicrobiens, anti-paludéens, est décédée. Hmm? Et après d'avoir contaminé une infirmière congolaise et contaminé également sa consoeur. et toutes les deux sont décédées. C'était donc la panique à Kinshasa. Et, et donc, on a prélevé donc du sang de, de, ces, de cette religieuse euh, pour envoyer à, à l'IMT verse. Euh, là, ils ont mis sur les cellules Vero et au microscope électronique, ils ont vu un virus allongé, filamenteux comme les virus qu'on avait décrits en 1967 à Marbourg. Euh, mais mais euh, ce virus également était analysé à, aussi d'ici à Atlanta, et on a remarqué que les anticorps anti-Marbourg ne neutralisaient pas ah, ce, ce virus. Donc c'était deux virus antigéniquement différents. Et donc c'était un nouveau virus. Et nouveau virus, le nom de Ebola, a été donc... Pardon, le, euh, le nom de petite rivière Ebola qui passe paisiblement dans la forêt équatoriale, non loin de la, la, la mission de Yambuku, a été don, 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 donné à, à ce virus. Suivant. Voilà donc oh, l'effet marquant de l'épidémie. Donc c'est une première épidémie documentée de maladie à virus Ebola. C'est un milieu de forêt tropicale. Au total, il y avait 318 cas et 280 décès soit un taux de létalité de 88%. Et cette épidémie a été amplifiée par l'usage des aiguilles euh, à usage multiple, donc mal sérialisées, et par euh, le fait d'assister à des funérailles. On touche les cadavres, on manipule les cadavres. Et l'épidémie beaucoup en fait, a été causée par euh, un, un sérotype du virus Ebola qu'on a appelé Ebola Zaïr, par... par, euh, par par rapport à l'épidémie de Maridine Zara au Soudan, qui avait lieu la même année, en, en juin 1976, et qui est due donc au virus Ebola Soudan. Donc maintenant, nous avons deux sérotypes, Ebola Zahir et Ebola Soudan. Alors, 19 ans après, il y en a beaucoup, il y a une alerte d'une une alerte, euh, épidémie meurtrière de fièvre et diarrhée sanguinolente. Donc, on parlait des diarrhées sanguinolentes, à qui se qui s'étouffe de, au sud-est de Kinshasa. Euh, et donc, mais cette épidémie aussi avait fait plusieurs décès communautaires, y compris les personnels soignants. Et comme on dit toujours, et même des religieuses italiennes étaient aussi victimes. Alors, en, en rétrospective, nous avons. Euh, euh, nous avons euh, constater que l'épidémie avait commencé déjà en janvier et rampait dans la communauté sans être détectée. Voilà. Et l'épidémie a été soupçonnée lorsque il y a eu une première amplification dans un petit hôpital, un hôpital secondaire, on appelle Kikuit 2, mais l'épidémie a été vraiment euh, confirmée lorsque l'épidémie est entrée euh, dans, dans, lorsque la maladie a été amplifiée par l'hôpital général de Kikuit. Voilà. Et euh, donc, euh, disons fin fin avril, il y a une alerte nationale, et euh, début du mois de mai, c'est l'arrivée, n'est-ce pas, de l'équipe euh, inter internationale, euh, surtout par euh, les experts, n'est-ce pas, des OMS. Et en ce moment-là, nous parlions d'une épidémie nosocomiale. Et quand on a apporté donc les, les gants, vous voyez en rouge là, en rouge, ce sont des, des cas du personnel soignant infecté. et lorsqu'on a apporté n'est-ce pas des, des, des vêtements de protection et des gants vers, euh, vers le 15 mai, voilà, euh, la transmission nosocomiale a été donc arrêtée, sauf un cas qui, malgré donc le port de gants et le vêtement de protection, a été quand même infecté. Donc, simplement par ces mesures, on peut arrêter une épidémie. Moins notre an Suivant. Alors, nous, on s'est demandé, mais à quoi est due cette, cette épidémie En tant que bactériologiste, bon, on on suis dit, diarrhée sang sanglante, donc c'est une shigellose, ou bien une salmonellose. Alors, nous avons, fait une, nous avons monté vite un petit laboratoire euh, de bactériologie à l'hôpital, on n'avait pas d'incubateur, mais comme la température en Afrique est très élevée, donc en laissant simplement sur la paillasse, c'était l'incubateur. Alors, nous avons donc mis en culture 97 échantillons de sel et seulement 4 étaient positifs pour la chigellose. Donc, ça ne peut pas expliquer une pareille épidémie. Et l'hémoculture, 9 hémocultures, toutes sont restées négatives. Alors nous sommes pensés, nous nous sommes dit ben, :« bon, Sur les plans épidémiologiques, comment ça se présente ?» Alors, on a fait un petit triangle comme ça. Au sommet, nous, disons, nous posons la question :« Qui était malade ?» À gauche, là, nous disons :« Quand ça a commencé ?» Et à droite, là, nous disons :« Où ça a commencé oui. ?» En répondant simplement à ça, nous nous rendons compte que ce sont des adultes qui sont malades, dont les techniciens de laboratoire, des laboratoires, les infirmiers de laboratoire, des laboratoires, les médecins et également les restes de la population. Et où C'était à l'hôpital général de Kikwit, l'hôpital de Kikwit 2, l'hôpital général de Kikwit, et les euh, hôpitaux, environ, euh, dans, dans environnement, environ, hôpitaux environnementaux des n'est-ce pas D'air Kikwit, c'est l'hôpital de, de Moussango et l'hôpital de Bongayas. Et puis, en disant quand, quand le cas que nous avons vu, c'est un cas après l'opération. C'était le 10 avril. C'était l'opération. Et dans les soins intensifs. Alors nous avons dit, si on attrape une épidémie en contact avec le sang, ça ne peut pas être une chigurose hein, et une sarmonose. Donc il faut chercher l'origine ailleurs. Et peut-être c'est Ebola. Et comme la maladie ne répondait ni aux antibiotiques ni aux antipaludéens, ça m'a rappelé ce que j'avais vu à Yambuku. Donc, j'ai pensé plutôt à la fièvre hémorragique. C'est comme ça que, suivant, les Voilà. Donc, en fait, l'épidémie a commencé là. Donc, donc de la Borantin, du petit hôpital de Kikuit II, qui est transféré à l'hôpital général de Kikuit, et on a fait l'opération parce qu'elle avait un ballonnement, ballonnement abdominal. Et après l'opération, l'anesthésiste qui l'avait endormie est infecté, malade. Il décède et contamine trois médecins. Le, le, la sœur Floral Batier, sœur infirmière dans la salle d'opération, tombe malade, décède et contamine euh, ses consoeurs. Voilà comment l'épidémie a commencé et l'épidémie s'est répandue. Suivant. Alors, c'est comme ça que nous avions dit, bon, il faut confirmer alors, cette hypothèse de euh, maladie à virus Ebola. Nous avons prélevé quatre échantillons de sang chez les malades euh, aigus et, et chez les convalescents. Alors, les cinq mètres, ces échantillons sont arrivés. Bon, j'ai préféré passer par l'ambassade de Belgique, où je connaissais le docteur Laé. Hein. Euh, ce docteur prend, parce que c'était bon, emballé vraiment comme euh, pff, hein, à la guerre, comme à la guerre. Donc, j'ai pris simplement deux petites boîtes, de, une petite boîte de, de lait, hein, Nido, c'est le plus vendu chez nous. Alors, bourré de coton, j'ai mis les échantillons dedans et j'ai pris encore une grosse boîte. J'ai mis la petite boîte dans la grosse boîte, fermé et envoyé. Voilà. Hein? Ça, arrive, ça, arrive, donc, ça, arrive, ça arrive à, à Kinshasa. Kinshasa, euh, comme tel, l'envoie à l'IMD en hein? c'est chez le professeur Van den Groen. Et le professeur Van den Groen, bien sûr, maintenant, euh, remet ça dans les triples emballages conformément, n'est-ce pas, euh, au, au, au règlement euh, sanitaire. Et c'est envoyé donc au CDC à Trenta le 9 et le 10, nous recevons la confirmation pour dire que c'est Ebola. Alors, quand moi j'ai dit que c'est Ebola, tout le monde a protesté. Pourquoi Ebola ne peut pas venir Nous sommes à 1000 km, il y en beaucoup. Nous sommes à Kikwit, c'est une zone, c'est une région de savane. Et comment Ebola peut venir dans une région de savane, parce que pour nous, Ebola, c'était lié aux singes et à la forêt équatoriale. Mais effectivement, c'était, euh, n'est-ce pas, Ebola. Suivant. Alors, euh, le fait marquant, en fait, c'était nous, pendant cette épidémie, vers la fin de l'épidémie, pris de compassion, nous avons pris le sang de convalescents et nous avons euh, transfusé huit euh, euh, malades avec le sang de convalescents. Et sept de ces huit malades ont survécu, un seul décès. Bon, pour nous donc, les, les anticorps anti Ebola étaient protecteurs, et c'était donc une voie pour com commencer à traiter les oh, personnes avec avec euh, le pas, de convalescents. Voilà, ça c'est l'équipe qui avait donc euh, euh, procédé à la transfusion, et c'est une des dames qui était donc sauvée grâce à la transfusion. De centres de convalescence Suivant. Euh, alors, euh, donc, euh, les faits marquants, en fait, c'était dans la première épidémie urbaine, urbaine d'abord, avec les risques d'extension aux deux capitales les plus rapprochées du monde, Kinshasa et Brazzaville. Euh, bon, J'avais joué un rôle majeur comme coordonnateur. Bon, en fait, je me suis nommé coordonnateur. Hein? Euh, devant mes, mes partenaires, je me suis dit, bon, c'est moi qui vous ai appelé, c'est moi qui connais bien la région, moi je parle la langue locale. Hein? Habituellement, on remet ça, ce rôle-là, à quelqu'un de l'OMS ou bien du CDC, et, 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 etc. Bon, là, je me suis dit, bon, c'est moi. Hein? Alors, depuis lors, je suis euh, coordonnateur, l'OMS fait appel à moi pour coordonner les épidémies. Et, et, je suis devenu spécialiste hein? la coordination des épidémies. Alors, euh, nous avions aussi développé, n'est-ce pas, toutes les stratégies que nous utilisons actuellement, euh, donc le prise en charge, euh, euh, etc. Et donc, c'est à ce moment-là que nous avions développé. Nous avions aussi introduit les, les saluts, euh, la salutation Ebola, parce que l'échange humain est très important. Entre les, les Africains, etc., c'est pas facile que vous rencontrez quelqu'un, vous dites non. Sinon, je vais attraper Ebola. Puis je dis bonjour, non. Hein? Donc, nous disons, on se salue coude à coude. Hein? Nous avions introduit ça, voilà. Et cet évêque, cet évêque a joué un rôle très important qui quitte. Malheureusement, il vient de mourir euh, il, y a, il, y a, il y a trois jours. Euh, alors maintenant, euh, c'est également la première première fois qu'on a utilisé. Donc euh, euh, les sang de survivants pour traiter euh, les malades Ebola. Donc au total, on a eu euh, 317 cas, 250 décès, soit euh, une mortalité de 78%. Suivant Voilà. Euh, mais notre, notre, notre expérience, là, n'a pas beaucoup plu à la plupart de mes partenaires. Hein? Parce qu'ils disaient, bon, cette étude est observationnelle mais ça n'avait pas de bras contrôle. Il n avait pas de bras contrôle. L'étude a été réalisée à la queue de l'épidémie, donc peut-être le virus a perdu sa virulence, et la taille de l'échantillon également était faible. Et puis, selon certaines études postérieures, les anticorps anti-Ebola n'étaient pas protecteurs chez les singes macaques. Euh, et enfin, euh, en 2013-2016, euh, le placement des survivants de l'épidémie de maladie virus Ebola en Guinée. N'avait pas réussi à améliorer de façon significative la survie des patients traités par rapport au contrôle. Voilà. Alors, ce qui fait que le sang de survivants d'Ebola n'a plus, plus été utilisé pendant plusieurs, plusieurs décennies lors des épidémies subséquentes des maladies de maladies virus Ebola. Mais moi, je, croyais, je continuais à croire que les anticorps Ebola étaient protecteurs. Donc, dans certaines circonstances, il faut être têtu. Hmm? Alors, Continuer à croire que c'est possible. Alors, euh, alors j'ai eu quand même la chance parce que euh, euh, en 2004, hein, 2004, 2004, oui, j'ai eu, euh, n'est-ce pas, la visite de ce monsieur-là, euh, euh, Barney Dram de NAS. Il est venu à Kinshasa, nous avons parlé de ce, de ce qui s'était passé à Kikwit. Et euh, il était vraiment intéressé pour euh, continuer à étudier l'immunité humorale des survivants de l'épidémie d'Ebola. En 2005, je fais un voyage aux États-Unis. Je rencontre ce monsieur-là, Nabel, qui est le directeur de, de, du groupe qui s'occupe, n'est-ce pas, du vaccin. Et également Mme Sullivan, qui est là-bas, qui est responsable de, de, du, du laboratoire de VRC, donc Vaccine Research Center, euh, à NIH. Et nous sommes mis d'accord pour pouvoir collaborer pour étudier donc l'immunité euh, humorale. Et en 2006, nous avons signé un protocole, d'accord. Et j'ai envoyé deux de mes collaborateurs à NHS. Et puis également, euh, j'ai envoyé Monsieur Cyprien, qui était l'un des convalescents donneur de sang, euh, qui va donc euh, là-bas à, à NHS. Suivant. Bon, voilà. Donc Mobial là, en fait 11 ans après, voilà. il avait encore des anticorps, un taux élevé pas, des anticorps, et ces anticorps étaient neutralisants, étaient neutralisants. En fait, Ebola euh, avait développé une maladie sévère avec fièvre, céphalée, arthralgie, diarrhée, sanglante, etc. En plus de ça, donc, il a été hospitalisé pendant deux semaines, et puis il a fait six mois où il, est, il était utilisé à l'hôpital pour Donner des, soins, hein, donner des soins à d'autres patients euh, atteints d'Ebola. Donc, ceci l'a donc exposé plusieurs fois euh, au virus Ebola et donc il a développé vraiment des anticorps. OK, euh, suivant. Euh, voilà, donc euh, de, du sang de ce monsieur-là, euh, Mobiala, on a donc isolé des cellules B. Qui ont été donc immortalisés et puis les gènes, les choses ont été donc euh, euh, clonées pour produire des anticorps euh, monoclonaux. Suivant. Alors ces anticorps monoclonaux, voilà, ces anticorps monoclonaux étaient capables de protéger, de guérir des singes qui étaient infectés avec Ebola et qui avaient développé la maladie. Donc vous donnez les MAP114 au cinquième jour, au sixième jour, au septième jour. Il y, a, euh, il y a une guérison hein? et vous voyez le, le, la, la, viré, la virémie chute très vite euh, au traitement avec euh, le MAP 100, 114 par rapport n'est-ce pas au contrôle. Donc 100% de survie euh, chez les singes euh, euh, traités hein? tandis que le contrôle meurt déjà au huitième jour. Suivant. Et voilà nos données là ont été donc publiées. Suivant. Alors, comment euh, nous avons utilisé euh, ces anticorps monoclonaux pour euh, traiter euh, les malades Ebola Nous avons eu l'occasion, euh, lors de l'épidémie, en, en 2018, nous avons eu deux épidémies successives, ou contemporaines. Voilà. La première épidémie, c'était en... Euh, enfin, le premier cas, c'était en avril, à Bicor, dans la province de l'Équateur, vous voyez là-bas. Alors... Et puis, euh, donc, le, ça c'est le 3 avril. Le 7 mai, l'épidémie a été confirmée. Et le 8 mai, on a euh, fait la déclaration officielle. Et puis, au moment où nous préparions pour euh, aller euh, commencer à faire les essais, l'épidémie était presque finie. Donc le 25, l'épidémie est finie. C'est ainsi donc en 2000, même année, au mois de mai, on a rapporté des décès communautaires. Hmm? d'origine inconnue et le 31 juillet, on confirme, nous confirmons à l'INRB l'épidémie de euh, Ebola et le 1er août, on fait la déclaration. Alors, on s'est demandé si c'est Bicoro, c'est le même virus qui est parti à Béni pour, euh, pour euh, provoquer une épidémie dans le Oui, à, à, à l'INRB, on a fait le séquençage, n'est-ce pas, des deux virus et comme vous vous montrez, donc, ce sont deux virus. Enfin, deux, euh, oui, deux, euh, deux, deux virus différents. Hein? Donc, c'est deux épidémies indépendantes durant, n'est-ce pas, la même année. Et ça a été donc, suivant, ça a été pour nous donc une occasion, cette épidémie du Nord-Kivu, une occasion pour euh, utiliser euh, les technologies nouvelles que, que nous avions. Mais c'était une, une région, euh, c'était la première fois d'abord que les virus... Entrer dans cette région-là, et euh, la population montrait une très faible adhérence hein, aux mesures de, de santé publique que nous proposions. Et, et puis, alors, là-bas, c'était la guerre, tout le temps la guerre, tout le temps la guerre. Donc, l'insécurité, n'est-ce pas, dans cette région. Suivant. Alors, donc, nous avons... Euh, suivant. Nous avons donc euh, euh, utilisé d'abord la vaccination euh, à titre compassionnel. Nous avons utilisé les vaccins RVSV, ZEBOV, les Merck, et nous avons également utilisé le vaccin adenovirus 26. Donc, euh, dans, la, dans la région où il y avait l'épidémie, nous avons utilisé le, le vaccin Zebov, hein, euh, en ceinture. Donc, on vaccine le contact, n'est-ce pas, de contact, de contact, de contact, de contact, voilà. Mm -hmm. Mais là, il fallait vraiment une infrastructure avec euh, de moins 80, et, 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 etc., etc., ce n'était pas facile. Et, euh, nous avons également utilisé les vaccins de Johnson et Johnson et Johnson, hmm. euh, mais là c'était donc à Goma, dans la population générale. Population générale. Et, et tous, les, tous ces essais euh, de, de vaccination ont donné vraiment des résultats positifs pour dire que nous pouvons utiliser donc ces vaccins en cas de Ebola. Suivant. Suivant. Alors également les médicaments que nous avons utilisés, voilà les médicaments, il y avait Zimap, que nous avons pris comme bras contrôle. Parce qu'il était déjà utilisé à, lors de l'épidémie de 2013 en Afrique de l'Ouest. Nous avons également utilisé le Régénéron. C'est un, un cocktail de trois anticorps monoclonaux. Et puis le MAP-114, notre molécule. Il y avait un seul anticorps monoclonal. Et puis le chi produit chimique Redem-Sivir, euh, qui est donc le nucléotide, euh, qui, euh, suivant, suivant, qui avait donc un, un effet plutôt euh, à large spectre. Alors, les protocoles que nous avons utilisés, nous avons utilisé deux protocoles. Il y a le protocole Murray, qui est donc euh, usage à titre compassionnel. Et nous avons utilisé le protocole RCT pour faire un essai randomisé. Un essai randomisé. Et tout ça, nous l'avons fait parce qu'il y avait l'autorité éthique, l'autorisation de, de, de l'autorité de, 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 de régulation. Euh, il y avait des formulaires de consentement, et, 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 etc. Suivant. Alors, euh, donc, euh, comme nous avions dit, la première épidémie de 2018 ça a commencé au mois de, au mois de 1er août. Hein, euh, et puis, on a fait des prélèvements. Les prélèvements sont venus à l'INRB. On a confirmé que c'était donc Ebola. Et puis, les six, nous avons fait euh, les, les séquençages, les résultats du séquençage. Qui confirme donc ces bolas à c'est-à-dire donc nous pouvons utiliser les vaccins RVSV et nous pouvons utiliser également les, les, les monoclonaux euh, pour traiter euh, n'est-ce pas les malades. Et le 7 août, euh, notre notre protocole a été donc euh, approuvé par euh, le comité euh, le comité éthique de l'école de santé publique. Suivant. Et voilà donc euh, et euh, Chose là le, donc notre équipe arrive déjà le 7 août notre notre équipe euh, clinique suivant suivant notre équipe clinique là-bas arrive n'est-ce pas euh, à Béni et nous commençons la vaccination hein, avec l'aide n'est-ce pas de l'OMS euh, et puis euh, le 10 août voilà le 10 août nous administrons la première dose n'est-ce pas de de notre Map 114 à à une des dames que vous voyez là. Et euh, quelques jours plus tard, nous avons eu donc euh, encore huit patients. Donc au total, il y avait dix patients qui étaient traités de façon compassionnelle avec notre produit. Et euh, les, les deux dames-là, qui étaient vraiment dans un état grave, euh, les deux filles, si vous voulez, euh, ont été donc... On leur a donné le monoclonal aujourd'hui. Et de, euh, le lendemain, ils ont commencé à demander à manger. Demander à manger depuis... C'était guéri. Et ça, ça nous a poussé donc à traiter encore huit euh, malades de cette façon-là. Suivant. Ah, voilà, et euh, c'est ainsi donc, que nous avons fait vraiment une étude randomisée dans le projet que nous avons appelé euh, PALM, hein, PAMOJA, TULINDE, MAISHA, c'est-à-dire Ensemble, sauvons les vies. Hein, et euh, cette, euh, euh, ce projet randomisé a été donc financé par NAH. Euh, et euh, tout le personnel qui a exécuté cet essai clinique du début à la fin, c'était des Congolais. Parce que les Américains ne pouvaient pas arriver là-bas pour l'insécurité, etc., etc. Mais, comme a dit euh, euh, mon, mon ami Eric, ce n'était pas, pas facile parce qu'il y avait l'insécurité là-bas. On brûlait les centres de traitement, il euh, y avait des émeutes, etc. Mais malgré ça, donc nous avons fait cette, cette recherche et puis on a bien décidé que, euh, bon, il y avait donc un comité indépendant hein, qui suivait tous ces résultats, et la conclusion c'était que les IMAP et les MAP étaient supérieurs à, à pardon les MAP114 et les régénérons étaient supérieurs n'est-ce pas aux Demtivir et euh, n'est-ce pas aux IMAP. Et donc la randomisation devait donc finir avec les IMAP et continuer avec le MAP114 et les régénérons. Et nous étions contents d'apprendre que euh, le euh, Food and Drugs Administration des États-Unis avait donc approuvé euh, notre molécule, MARC-114, comme euh, molécule pour traiter les malades Ebola, aussi bien chez les adultes que chez les, chez les enfants. Suivant Voilà. Donc, pour nous, c'est un nouvel outil pour la lutte. Des recherches cliniques scientifiquement rigoureuses et respectueuses des règles éthiques peuvent être menées. Durant une épidémie et fournir des données susceptibles d'orienter la réponse à l'épidémie. L'étude PALM Nous a appris que les malades qui arrivent tard au cours de la maladie, avec une très faible valeur de CT, sont à grand risque de mourir. Depuis sa découverte en 1976, la maladie avulue Ebola est restée orpheline de traitements et de vaccins. Seuls les soins palliatifs étaient donnés aux malades. Désormais donc. Grâce à la collaboration scientifique internationale, la maladie à virus Ebola est évitable par deux types de vaccins, le vaccin Merck et le vaccin Johnson Johnson, et traitable par deux articles monoclonaux, comme le MAP 114 appelé Ebanga. Donc, Ebanga, c'est le rêve de ma vie qui est maintenant une réalité. Grâce à l'engagement et à la ténacité des scientifiques congolais, la collaboration étroite avec NASUS, et l'OMS et d'autres, et la contribution des patients et survivants congolais. Suivant. Alors, bon, voilà, nous avons réalisé tout cela grâce, je pense, grâce à la formation. La formation. Et cette formation a commencé par euh, cette inauguration euh, par le président Mitterrand de l'Institut national de recherche biomédicale, qui était le fleuron de la coopération euh, franco-zaïroise à l'époque. Ou congolaise. Donc euh, voilà. Et euh, malheureusement, il y a eu après euh, des émeutes à Kinshasa, etc. La coopération, les coopérants sont partis, et nous avons donc repris le relais. Et en 2000, la, cet institut est devenu laboratoire national de santé publique. Et nous collaborons très bien avec le secrétaire général de la santé. Et en, 2000, en 2013, cet institut est devenu un établissement public. En, et sa mission, c'est vraiment la surveillance et, et la réponse aux épidémies, les diagnostics hein, des malades, pour les malades ambulants et hospitalisés, et puis la, la formation et recyclage du personnel, et puis la recherche, la recherche euh, qui est devenue vraiment notre point fort, hein, euh, et surtout la recherche clinique avec des essais cliniques que nous avons commencé maintenant n pas, à développer. Suivons, suivons. Et euh, voilà, euh, et c'est là aussi, nous avons amélioré euh, les infrastructures hein, grâce à ce nouveau bâtiment qui a été construit par la coopération euh, japonaise, où nous avons trois laboratoires P3, deux laborato trois laboratoires P2, un centre d'essai clinique, euh, deux, 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 salles, deux, deux centres de formation. Uh, et un grand amphithéâtre. Et c'est avec ça que nous avons détecté les premiers cas de COVID-19 uh, le 10 mars 2000, uh, uh, 2020. 2020. Suivant. Et uh, bien sûr, l'Inherbet, Kinshasa, était uh, inondé, uh, submergé. Uh, c'est comme ça que nous avions besoin vraiment d'une extension en province. Une extension en province, uh, surtout pendant l'épidémie de Ebola. Et euh, J'avais retrouvé dans ma poche euh, la carte de visite d'Alain de, de Mérieux, hein, qui m'avait promis, promis un laboratoire. Alors je lui ai dit Mais souvenez-vous, hein, souvenez-vous. Et immédiatement, il a, envoyé, il a envoyé ce laboratoire, ce complexe laboratoire, en conteneur. C'est arrivé, euh, n'est-ce pas, à Kinshasa. Maintenant, c'est devenu vraiment le fleuron, je peux encore dire, de notre coopération avec euh, la Fondation Merieux, avec la France, en province. Voilà. Et bien sûr, la formation. La formation, quand j'ai commencé, en 1998, j'étais le, le seul PhD. Pendant deux ou trois ans, je me suis fait entourer des, des, des techniciens supérieurs que j'ai envoyés ici en France, en Belgique, aux États-Unis, etc., pour une formation. Ces techniciens sont revenus. Nous avons commencé alors la surveillance de polio, rougeole, fièvre jaune, etc. Et, et, mais il me fallait des chercheurs, des chercheurs. Donc, euh, deux ou trois ans plus tard, nous avons commencé à former des, des chercheurs. Et grâce, n'est-ce pas également à la coopération, euh, voilà, nous sommes maintenant, euh, nous sommes maintenant une vingtaine, une vingtaine. Et c'est vraiment euh, de, une génération, une génération de, de jeunes chercheurs qui sont capables de travailler au laboratoire, de travailler sur le terrain, de dormir même dans des conditions difficiles sur le terrain, hein, et également de faire des investigations. Et la plupart, ils ont également un diplôme de santé publique. Et donc, laboratoire, terrain, hein, et euh, -ce pas la lutte contre, contre, contre les épidémies. Euh, Suivant Voilà, donc euh, le, le grand mot là, c'est vraiment... Euh, c'est dire merci euh, à, à nos partenaires. Sans les partenaires, il est difficile de se développer, n'est-ce pas? Surtout dans, dans nos pays. Mais il faut absolument des Congolais, des nationaux engagés, hein? engagés, et qui restent au pays, et qui comprennent les problèmes du pays, et qui veulent, n'est-ce pas, résoudre, euh, résoudre les problèmes du pays. Alors, il me reste vraiment à remercier. Ce n'est pas facile, mais je remercie d'abord le président de la République. Éric euh, a dit que j'étais politicien, mais je ne suis pas politicien, mais enfin, mais, hein, utilisé par euh, l'homme politique. C'est vraiment, nous voyons maintenant que l'homme politique a besoin des chercheurs, a besoin des expertises euh, des, des chercheurs. Lorsqu'il y a un problème pareil, on fait appel, nest aux chercheurs. Et ces chercheurs trouvent une solution au problème. C'est le cas avec Ebola, c'est le cas avec, avec Covid. Donc, euh, le président de la République, le premier ministre euh, ont vraiment contribué, se sont engagés, ont contribué à la, à la, à la réussite de nos actions, n'est-ce pas, sur le terrain. Alors, merci euh, au président de l'Université de Montpellier. J'ai suivi avec attention vraiment euh, votre, euh, votre discours. Et euh, je vous promets que je porterai le titre de docteur au nom jusqu'à vous à l'Université de Montpellier avec fierté. Et je serai votre ambassadeur. Et nous sommes déjà en collaboration étroite avec euh, l'IRD, le, le, le professeur euh, Eric Laporte et madame Martine. Et nous pensons que cette collaboration va, n'est-ce pas, aller -ce pas, de l'avant euh, pour que nous soyons vraiment utiles à notre pays et nous soyons également utiles au monde. Alors, euh, merci à Madame euh, la doyenne de la faculté. Être doyen de la faculté, ce n'est pas facile. Et, et <laughs> j'ai été doyen, mais il y a des jours où je ne dormais pas parce qu'il y, y, y a tellement de problèmes à résoudre. Mais vous êtes si courageuse que. Euh, ah, je pense qu'en en Europe, peut-être en France, les gens sont moins, moins agressifs. Hein? <laughs> en tout cas, je, je, suis, je, suis très fier, je suis très fier de cette collaboration entre euh, votre faculté et notre faculté et euh, l'Institut national de recherche biomédicale euh, à Kinshasa. Euh, bon, mais merci à Eric. Hein? Bon, je ne sais pas s'il faut encore dire merci, mais. Vous êtes tellement intégré dans notre, dans notre groupe que ce que vous faites, c'est comme si vous étiez au Congo. C'est comme si vous étiez au Congo. Et on voit, on voit seulement les effets, mais on ne sait pas d'où viennent ces effets-là. Mais c'est de vous dire que nous vous portons vraiment dans notre cœur et nous pensons que vous êtes là pour unir le monde, unir. À donc, les deux facultés ou les institutions de recherche, France et, 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 et nous. Mon ami Yazdan, euh, vous avez beaucoup d'argent, mais enfin, hein? mmh. cherchez. Nous avons toujours dit pourquoi la France tourne les dos au, 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 pays, au plus grand pays francophone. Pourquoi mmh? Mais il est venu, il a compris. Depuis qu'il est là, c'est une autre atmosphère que nous vivons. Et nous pensons que ça va continuer, n'est-ce pas, à nous soutenir, n'est-ce pas, dans nos recherches. Alors, oui, euh, bien sûr. Alain, vraiment, euh, euh, ta présence ici me réconforte. Et tout ce que tu as fait pour moi, pour le pays, ça reste, ça reste. Et je pense, nous devons tous travailler la main dans la main et pour apporter des solutions aux problèmes de notre pays. Ça commence au là et puis ça se répand. Et nous devons être vigilants, nous devons collaborer ensemble pour ça. Voilà, et tous ces amis qui sont venus de Belgique, qui sont venus de Besançon et qui sont venus de, de Paris et d'ailleurs, oh, vraiment, je... Je tiens à vous remercier. C'est un témoignage d'amitié et de fraternité. Et aujourd'hui, si je peux dire, bon, j'ai pris de l'âge, mais je sais que l'œuvre que nous avons commencée va continuer, puisque tous ceux-là sont des jeunes, jeunes pleins de courage, pleins d'imagination, hein, et capables également de prendre les relais. Et c'est de s'enfermer, mais c'est de s'ouvrir davantage. Nous avons voulu avoir une synergie dans nos coopérations et nous les avons eues. C'est à vous encore à les agrandir pour que les pays profitent vraiment de nos relations et de nos capacités de recherche. Bon, s'il y a des gens que je n'ai pas cités, qu'ils m'excusent, mais encore une fois, je remercie les sons de violoncelle que j'ai entendus, qui me rappellent donc mes années de collège. Merci. En fait, moi, j'ai été euh, proclamé docteur en médecine euh, à l'université Lovanium, à l'époque en RDC. Et puis, ça, c'était en 1969. Et puis, je suis parti à l'université de Leuven, en, en Belgique, où euh, je me suis seulement occupé euh, de faire mes recherches sur les traitements des maladies virales, avec des inducteurs d'interférons à l'époque. Euh, et là, donc, euh, j'ai traité, j'ai infecté les souris avec des virus, et puis je les traitais avec ce qu'on appelait, appelait à l'époque les inducteurs d'interférons. Et alors quand j'ai fini mon doctorat là-bas, je suis rentré au pays, en République démocratique du Congo, mais là, je n'avais pas l'infrastructure de recherche comme je l'avais en Belgique, et alors je me suis converti en épidémiologiste de terrain pour détecter les épidémies et puis lutter contre les épidémies. C'est ainsi que donc, euh, je me suis mis en face d'Ebola de, euh, pour la première fois. Et ensuite, je suis devenu un spécialiste euh, de la lutte contre le virus euh, Ebola, jusqu'à trouver donc un anticorps monoclonal pour traiter euh, les patients atteints de maladies à virus Ebola. Voilà, en bref. Alors, euh, pour des recherches, ah, c'est surtout pour les malades. Je, je, je travaille beaucoup sur les maladies émergentes et rémergentes, et dont Ebola, Marburg, euh, et puis les maladies rémergentes telles que la polio, la jaune et puis euh, pff, le choléra. En fait, beaucoup, beaucoup de sujets de recherche comme ça. Et en fait, avec Montpellier, euh, c'était plutôt euh, un concours de circonstances comme ça. J'ai rencontré donc euh, Eric euh, de la porte et, euh, et sa femme euh, euh, Martine. Euh, en fait, il y avait quelque chose qui qui, qui faisait le lien entre nous, c'est que j'ai étudié en Belgique euh, dans une institution flamande. Et, et Mme euh, Peters, Mme Eric, est aussi du côté euh, euh, flamand. Et Eric a étudié à l'IMT en verse. Et là aussi, j'avais des, des fréquentations là-bas. Euh, voilà, donc on ça s'est fait spontanément. Et donc on s'est connu. Et puis, euh, je leur ai exprimé mes problèmes de formation euh, des chercheurs. Alors, ils ont mordu. Et le premier chercheur qui est venu ici, c'était le professeur Aouka, le docteur Aouka, qui a fait sa thèse hein, sur euh, les virus euh, qu'on trouve chez les animaux, etc. Et puis après, euh, j'ai encore envoyé un autre, c'est le docteur Placide qui a fait euh, sa thèse surtout sur euh, Ebola et d'autres maladies émergentes euh, chez Martine. Et puis maintenant, il y a encore un troisième, et puis il y a un quatrième. Euh, voilà. Donc, c'est vraiment des grands chercheurs qui viennent, euh, qui rentrent au pays, et qui ont, comme je vous ai dit, la responsabilité en même temps des laboratoires et en même temps des investigations des épidémies sur le terrain. Alors, je pense que c'est une façon, une, une, une bonne vision, pour nous, pour que les jeunes qui arrivent soient vite mis sur le terrain pour essayer de résoudre les problèmes de santé publique que nous rencontrons dans le pays. Voilà, c'est ça. Et maintenant, donc, nous voulons vraiment officialiser le, le rapport de coopération entre l'Université de Montpellier et l'Université de, de, de Kinshasa et l'Institut national de recherche biomédicale. Et nous, avons, nous venons donc de signer euh, cet accord de consortium pour pouvoir travailler ensemble. Bon, je dirais d'abord ceci, que euh, euh, nous devons nous préparer à lutter contre les futures pandémies. Et les futures pandémies viendront certainement de l'Afrique. Parce que là, les rapports entre euh, l'homme et l'animal sont très rapprochés. Et donc, les études que nous menons maintenant sont des études à l'interface entre l'homme et l'animal. Et euh, pour cela, il faut que les étudiants, les futurs chercheurs des pays développés puissent s'intéresser à ce genre de problèmes. Et alors, s'ils sont déjà formés dès l'université, dès, dès la faculté de médecine, euh, je pense que ce sera beaucoup plus direct, oui, plus direct, encadré par leurs professeurs, pour que franchement, nous puissions travailler ensemble euh, donc, euh, dans ce que nous appelons One Health, dans une seule santé. Euh, et donc, travailler ensemble veut dire que ce sont des équipes multidisciplinaires qui vont aborder ces problèmes-là. Nous, avons, nous aurons besoin des médecins, des épidémiologistes, des, des vétérinaires, de vétérinaires et même des anthropologues, des socio-anthropologues. Parce que ce que nous avons vécu avec le Covid, c'est quoi C'est que le Covid, c'est une nouvelle maladie. Il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de vaccins. Alors il faut, il faut trouver des médicaments. Mais pour donner ces médicaments ou ces nouveaux vaccins à la population, la population doit bien comprendre de quoi il s'agit. Et souvent, ils ont, la population a une perception mauvaise, n'est-ce pas, de la maladie. Et ce sont les socio-anthropologues qui doivent préparer cette population à accepter les mesures de santé publique que nous voulons euh, implémenter pour lutter contre euh, le pandémie actuelle et la pandémie à venir. Et donc, c'est un travail d'équipe. Ce n'est plus un problème de médecins seuls. Ce n'est pas ça. C'est vraiment un problème de. de, de de, de, de tous les scientifiques au, vrai, au, au sens large du mot, oui oui. Et donc c'est ça que nous devons euh, faire euh, parce que avant moi quand j'ai quand j'ai fait la médecine ou bien quand j'ai commencé mes recherches c'était simplement virologie comme telle virologie. Mais ce n'est pas suffisant parce que la virologie vous aurez trouvé l'éthiologie. mais maintenant mettre ça en pratique dans la population ils vont refuser ils vont il y aura des protestations. On peut même avoir des, 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 des violences, etc., et, et, si la population ne comprend pas bien ce qui se passe en fait. Voilà un peu euh, ce que moi je vois dans l'avenir comment il faut former les jeunes médecins, comment il faut chercher les, former les jeunes chercheurs dans la multidisciplinarité. Alors, voilà.